Contrôlant les villes du nord, Mongo a réussi à renforcer sa position et a vaincu les forces de Shannon qui tentaient de lui faire face. La principale armée étant éliminée, l'invasion devrait rencontrer peu de résistance. Après un dernier assaut, la ville de Rilos serait à sa merci. On n'en dira pas plus. Les héros sont limités au niveau 28. Hein. Campagne finale. Ok. Deux semaines après votre victoire à Haute Porte, votre armée a atteint la rive est de la rivière Dragon Vale. Comme prévu, tout s'est passé sans encombre, mais le terrain devenant de plus en plus boisé, vous choisissez d'établir un camp ici et de procéder à un peu de repérage. Les rives abruptes et l'eau profonde de la rivière Dragon Vale rendent la traversée impossible, sauf avec un pont. Dans le sud, une plus petite rivière, tout aussi infranchissable, alimente le voile du dragon, et à l'ouest de cet embranchement se trouve votre prochain objectif, le château de Riverview, siège du pouvoir des territoires du nord de Shannon. Grâce aux rivières, cet endroit vous permettrait de contrôler l'accès vers le nord. Quoi qu'il arrive, il vous faut prendre cette forteresse. Votre campement prêt et votre armée reposée, vous êtes paré à l'attaque. De plus, un enclos a été construit pour abriter vos grinceurs frénétiques jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Quelle excellente nouvelle! Ok. Donc on va tenter clairement d'aller taper les cavaliers en bas. On fait une sauvegarde parce que là ça va être un petit bonheur à la chance. Un peu triché. Thank you.
À passer, c'était l'un des des principales difficultés à prévoir ici, donc c'est plutôt cool. Ah oh, putain, j'ai pas pris. Quel débilos. C'est pas grave, on va le prendre. Je me disais j'avais raté un truc, mais bon. Pour être pire, ok. Alors ici on avait vu qu'il y avait un méga dragon qui traînait dans le secteur. Non attendez. Où j'aille rusher la ville du coup. Faut que de perdre du temps. Ok. Pièces d'or. Pièces d'or, c'est pas négligeable quand même. Ok, alors maintenant c'est là où ça va se compliquer entre guillemets. Merde, non, c'est 10. Yes, we bet. Ok. Donc là, dans peu de temps, normalement l'ennemi va arriver de là-bas. En fait, pendant longtemps, ce que j'ai cru qu'il allait me sauver, c'était les... Comment ça s'appelle? Les chevaliers, mais au final, non. Les chevaliers... peine les toucher, surtout s'il vient avec la full force. Okay. En fait, selon certaines rumeurs, Shanlong combattrait déjà depuis plusieurs mois contre un royaume du sud, et d'étranges incidents auraient eu lieu le long des frontières occidentales impliquant un royaume elfe voisin. Si c'est vraiment le cas, Shannon a dû diviser ses forces, et c'est donc le moment idéal pour votre invasion.
bim, un level supérieur. La caverne, c'est une fosse. Catapultes, ils m'ont défoncé aux catapultes. Ça. Tiens, le gars est toujours pas là quand même. Pareil, bizarre. Ah, ouais, mon gros problème, ça va vraiment être les catapultes. Hein. Donc là, on tente. Version à l'ancienne. Il est très probable qu'on y laisse la vie. Est-ce qu'on peut faire une caravane vers etc. Oui, on peut. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ici, c'est un château quand même. Ok, donc on laisse tomber les dragons. Éclaté. Ok. Parfait. C'est de la magie, on s'en fout.
Donc la mine, on a mis, ça c'est sûr. Bizarre que le violet soit pas mieux encore. On va dire que ça commence à m'inquiéter, mais quand même. Est-ce qu'il est mieux? Il s'est fait défoncer. Non. Ok. Ah bah voilà. Éclaté, con. Ok. Il va falloir que je rush. Hein. Canine, je suis juste de up ici. Surtout s'ils ont tous mis au même endroit. On va tenter comme ça. Putain, 28, c'est impossible. Trop compliqué. Mmh.
Oh, mais j'avoue, la catapulte. C'est vraiment over-cheaté, quoi. Du coup, on va prendre l'option filou, quoi. Merde. Et déjà, même avec l'option filoutage... Enfin, le mec, il arrive à défoncer avec ses catapultes. C'est une humiliation sans nom, quoi. Plus des unités mécaniques, donc... On va pas les charmer. Après, il y a peut-être un truc à faire. Au secours. Putain, normalement, il devrait pas tarder. Hein. Château 10. Non, tu es, oui. Ils m'ont déjà bien défoncé la gueule. Et merde, je t'en gueule. Quel champion. Un champion du monde. C'est un champion du monde. Ah, ils sont trop forts, hein. On va pas aller les chercher en bas. Bizarre qu'il n'arrive toujours pas à le violer. D'habitude, il est beaucoup plus rapide que ça. Thank you.
C'est peut-être à partir du moment où j'ai commencé à mettre le nez là, j'ai l'impression. Ça se tentait. Ok. C'est 20 bois, putain. Si je me rapproche là, est-ce qu'il va venir? Si on vous essuie beaucoup d'aventuriers, héros ou mercenaires ont répondu à l'appel du seigneur Danos pour vous capturer. Les plus faibles ont déjà été éliminés par les chasseurs de primes ennemies, mais il reste au moins un groupe bien organisé qui vous attend. La prudence et la rigueur.
De toute façon, rien que ça, c'est... Y a rien à y faire, quoi. Ah ouais, ok, en plus hypnose. Une guerre entre Shannon et un royaume du nom de Khorasan a littéralement opposé les forces de la vie et de la mort. Vous ne savez pas qui a le dessus, mais vos espions rapportent que le plus gros de l'armée de Shannon est occupé dans le sud, excepté les forces envoyées dans votre direction. Face à une si piètre résistance, vous avez le sentiment que votre marche sur Hylos sera une victoire facile. Enfin. Ouais, moi, il suffit qu'il ait des catapultes, hein. De voir un petit peu, c'est pas des trucs. Ah, il y a quand même 2-3 trucs là. Donc là, je gride un peu. Tu iras chercher les minas. Hein. Occupé, non? C'est quand même bien. Hein.
étonnant. Thank you.
Ok. Écoutez, on l'attente, hein. On verra. A priori, ça peut passer. Hein. Thank you.
C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que c'est peu de...
Il faut plus recruter l'Ectoplus. On peut essayer ça.
Faut que je le nique d'une manière ou d'une autre, j'en ai niqué, mais comment. Ok, il est revenu là quoi. Ils ont fait le taf quand même, c'est con. Donc, surprise. Pas forcément une très bonne idée. Hein. Non, non, non. Arrête. Mon con, ce jeu. Ah oui, ça c'est con. Cool.
Il est sorti. Nous va être compliqué, là, je pense. Il a fait le fou. Oh, le débilos. Il a fait le ouf. On va gagner. Allez. Là, il fait mumuse. Il se dit putain, c'est génial. Et là, je vais lui niquer la bouche. Allez, ciao Bello. Ah, j'avoue, le réveil va être difficile demain. Et voilà. En contrôlant le château de Riverview, vous les avez tous niqués. Les autres cités de la région se rendront rapidement. Vous dominez désormais tous les territoires du nord, et avec les forces de Shannon occupées dans le sud, vous êtes persuadé que rien ne vous arrêtera dans votre marche sur Hylos. Vous êtes loin d'être un simple pion dans le grand jeu de la vie, vous êtes Mongo. Après avoir conquis le château de Riverview, l'armée de Mongo parvient à éliminer les derniers survivants des forces du nord de Shannon et prépare l'assaut final vers Hylos. Jusque-là, Mongo s'est couvert de gloire. Mais qu'en sera-t-il de la toute dernière épreuve? Parfait, parfait. Allez, à ciao, ciao.